Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'achat-revente. Je vais vous montrer la technique la moins risquée, la plus efficace à faire aujourd'hui pour pendant la TOTS tout simplement. Donc là, on est à 2 jours de la TOTS parce qu'elle arrive vendredi et au moment où je tourne la vidéo, on est mercredi. Donc bah cette technique c'est simple, c'est la textile. Donc voilà, sans risque, tranquille, hein, vous pouvez la faire tranquillement et vous faire du bénéf. Pendant les TOTS tout simplement. Après voilà hein, les autres techniques comme la tech avion et la tech fuite millionnaire, c'est un peu plus risqué tout simplement parce que il y a une baisse des prix, après ça remonte quand il n'y a plus de pack. Enfin bref, c'est un peu le bazar pendant les TOTS. Donc je vais montrer la technique la moins risquée. Donc c'est la textile. C'est simple, vous vous rendez sur le marché des transferts, vous mettez en prix achat immédiat 800 et vous mettez or. Et après vous faites défiler les styles. Et là donc par exemple on va mettre sniper. On va prendre un joueur qui a minimum 95 de forme et minimum 7 contrats et un joueur intéressant bien évidemment. Donc là par exemple le Boyan il a que 94 de forme et 5 de contrats, donc je ne le prends pas. Gabi ça peut être intéressant mais bon c'est un milieu de terrain donc c'est pas trop un style pour lui. Ensuite Lalana ça aurait pu être intéressant sauf qu'il a que 91 de forme. Ensuite Destro il a que 5 de contrat donc c'est pas possible. On continue, Olivier Torres malheureusement non. On continue à faire défiler les pages. David Villa avec 3 contrats c'est mort. Hamzik là c'est parfait, on le prend direct. 750 avec 14 contrats, 99 formes et un style sniper. Ensuite Jumontero c'est parfait aussi, on le prend à 750, 19 contrats, 99 formes et le style. Sniper, donc voilà, là il n'y a pas d'autres joueurs intéressants. Et là il y a du Cabela, ouais, non, pas très intéressant non plus. Donc voilà, on a pris 2 joueurs, les gars, pour le style sniper. En plus, c'est 2 joueurs hors rare, donc c'est très intéressant. Donc, après c'est simple, vous allez les remettre là. Donc en plus, là, le Hamzik, je l'ai pris au prix minimum, hein, donc c'est très intéressant. Et on va le remettre à 1100 crédits. Et si vous voyez que ça part pas pendant 4 ou 5 gros listes, vous le descendez à 1000 et ça partira. Mais normalement, à 1100, ça part au calme. Donc voilà, on fait pareil pour le Montero. On va le mettre à 1100 crédits. Et normalement, ça part en plus en changement de poste en AVG. Donc ensuite, on va faire avec le style finisseur. Donc on va en faire quelques-uns des styles. Donc là on a un Maxwell mais c'est mort, c'est un défenseur. On continue. Prenez des styles appropriés au poste aussi les gars, parce que sinon ça va être compliqué qu'ils se vendent. Ensuite là on a du Giovanni Sio. Malheureusement il a que 4 contrats. Carbella que 2 contrats. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre d'intéressant? Bah on a rien. On a rien en finisseur malheureusement. Ouais, on a rien malheureusement en finisseur. On va chercher en vista si on a quelque chose. Donc Lens, ah, il a 94 de forme. Dommage. Verinha aussi pareil. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre là? Lopez. Ouais non. Pas très intéressant. Ah, Ayou avec Vista, 19 contrats. Ouais. Ça pourrait être intéressant, hein, Ayou. On va choper Ayou à 700 crédits. Ensuite, on va prendre juste Ayou. Donc, pour les... Moi, les gars, pour les or non rares, je les mets à 1000. Je les mets pas à 1100. Je prends pas trop de risques. Je les mets à 1000 crédits. Et j'attends que ça parte. Et si ça part pas, je les mets à 950. Donc, voilà. On va faire sur un autre style encore. On va en faire quelques-uns. Canonnier. Canonnier, est-ce qu'on a quelque chose? Cruz, parfait. 26 contrats, 99 formes, prix à 700. Ensuite, on a quoi là? On a rien d'autre. Qu'est-ce qu'on peut avoir, Gomez? Aïe, 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 il a pas de forme, dommage. C'est dommage ça. Voilà, on a pris Cruz, donc c'est une carte plaquée or, or non rare. Donc, on va la mettre à 1000 crédits, donc voilà. Ensuite on va arrêter de faire les styles là offensifs, on va faire un petit peu les gardiens et après on va arrêter la vidéo là. J'espère que vous aurez compris en tout cas cette technique. Là parfait, on a un Navas, 11 contrats, 99 formes, on chope à 800 crédits. On en a vraiment pas mal là, des Navas. Lui c'est pas intéressant. Oh merde, non il était up, il était up Navas. J'ai fait une petite erreur là, j'ai pris le Navas à mince. J'ai fait une erreur là, clairement j'ai failli le coup sur Navas. Bon,
Les gars, faites pas la même erreur que moi. Ne prenez pas... prenez les joueurs up. Faites bien attention à ça. Parce que là, je viens de fail. Je vais le remettre au prix auquel je l'ai acheté. Le Keylor Navas. Sinon... enfin, je vais le mettre à 900 quand même. Pour faire un petit bénéf. Mais faites pas les mêmes conneries que moi, les gars, sur ce coup-là. Donc là, j'ai fait une vente. Non, c'est pas de la tech. C'est pas de la tech style. Donc voilà, les gars, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez compris cette technique. Si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Je vous répondrai. Donc voilà, les gars, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher le maximum de likes comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine, les gars, pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family.